Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir plutôt puisqu'il est euh, un peu plus de 19h et euh, bienvenue dans ce nouveau direct vidéo. Nous sommes tous en reconfinement. Euh, bon, ça nous est tombé un petit peu sur le sur le coin du nez, c'était pas tellement prévu. J'avais fait un premier euh, j'avais fait un premier direct en avril dernier en plein durant le premier confinement. Je n'avais pas du tout prévu naturellement pas plus que la plupart d'entre vous, je suppose que nous serions reconfinés. Euh, J'avoue que si on m'avait dit qu'il y aurait un, un, un second confinement, par exemple, si quelqu'un m'avait dit ça, je n'aurais pas cru la personne en question. Et bien si, pourtant, nous, nous sommes contraints de, selon la formule consacrée gouvernementale, rester chez nous pour euh, empêcher la propagation du virus. Euh, bien sûr, il est important de lutter contre la pandémie de coronavirus. Je pense que Personne ou presque ne peut euh, en disconvenir, mais euh, bon, il y aurait sans, aura sans doute des choses à dire, c'est un petit peu l'objet de ce direct vidéo que euh, je commence avec vous, même si euh, euh, un des objets de ce direct, c'est aussi de discuter de l'actualité politique euh, nationale, bien sûr, internationale, le contexte, euh, le contexte sanitaire, le contexte sécuritaire aussi, parce que naturellement, il s'est aggravé, et particulièrement depuis ces deux dernières semaines, avec euh, de nouveaux actes terroristes. Voilà, ce sera l'occasion de discuter de tout ça. J'ai reçu quelques questions. Je ne doute pas que vous en poserez d'autres euh, durant ce direct, et j'aurai plaisir à y répondre. Euh, ce direct est aussi, il faut le dire, euh, comment dirais-je, fait office de remplacement. Euh, à la réunion publique que j'avais prévue à Saint-Lazare dans le cadre des activités du Rassemblement national ce 3 novembre à 19h. Donc le 3 novembre à 19h, je ne tiens pas à réunion publique avec mes camarades, mais eh bien je fais un direct qui sera bien sûr très politique euh, et qui, euh, je l'espère, permettra nous permettra euh, d'échanger des analyses sur la situation du moment. Euh, bonsoir Corentin. Nous permettra euh, d'échanger de, des analyses sur la situation du moment, qui est une situation bien complexe. Euh, à ceci s'ajoute, euh, même si c'est le hasard du calendrier, les élections, enfin l'élection, parce que c'est on élit une seule personne. Donc quand, quand, on, élit une, quand on élit une personne, on dit l'élection au singulier, l'élection présidentielle américaine. Euh, qui, euh, qui donc se joue là en ce moment, là, ce, ce, ce jour, qui, dont les résultats seront connus, euh, je pense, dans, euh, dans une douzaine d'heures à peu près maintenant, c'est-à-dire à, à l'aube du 4 novembre. 2016, c'était vers 8 heures du matin, mais si les choses se passent bien, ça pourrait être des 6 heures après tout. Euh, ça ne nous concerne pas directement, cette affaire-là. Et en même temps, ça nous concerne parce que tout de même, les États-Unis sont encore. Euh, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on en pense par ailleurs, ce sont des faits, je ne dis pas cela pour juger, sont encore la première puissance mondiale. Et donc euh, les élections qui s'y déroulent nous concernent. Alors certes, elles nous concernent sans doute plus qu'elles ne le devraient, parce qu'il y a une attention médiatique autour de cette question, mais euh, j'y reviendrai euh, certainement en fin de ce direct. Euh, premièrement, il me faut euh, naturellement évoquer avec vous euh, la situation euh, la situation sanitaire euh, pour ne rien vous apprendre vous savez tous comme moi qu'il y a cette pandémie euh, depuis euh, euh, depuis quand déjà depuis euh, on va dire en Europe depuis février euh, avec le reconfinement avec le confinement euh, qui a euh, qui a commencé euh, le 17 mars me semble-t-il et jusqu'au 11 mai dernier, nous vivons grosso modo depuis euh, depuis maintenant euh, depuis maintenant huit mois en situation perpétuelle de d'entre deux. Il y a constamment des mesures et des contre-mesures. Le masque qui était une rareté et qui, selon le gouvernement, n'était pas quelque chose d'important, puisque rappelez-vous, le gouvernement nous avait dit que porter un masque ça ne servait à rien. Le masque est devenu euh, euh, une obligation à peu près partout. Euh, en tout cas, les, les villes, une par une, ont dit euh, obligation du. Enfin, les villes, ont, cert certaines communes ont tout d'abord dit obligation du port du masque dans certaines rues, puis dans la totalité de la commune. Puis euh, les euh, préfectures ont dit, dans certains départements, obligation du port du masque dans tout l'espace public du département en question. Puis il y a eu euh, début octobre euh, la mise en place d'un couvre-feu, je crois, dans une, je, tout d'abord dans des, dans des métropoles, c'est-à-dire les plus grandes villes du pays, pas toutes les métropoles, mais la plupart, euh, puis dans, me semble-t-il, une vingtaine de départements, puis une cinquantaine de départements, et puis euh, l'annonce... Euh, euh, l'annonce, enfin euh, la rumeur tout d'abord, vers le 25 octobre qu'il y aurait un reconfinement, et puis l'annonce formelle par le président de la République, Emmanuel Macron, le 28 octobre, euh, qu'il y aurait un reconfinement. Naturellement, les choses se sont accélérées. Euh, elles se sont accélérées <coughs> parce qu'il y a une, une aggravation du contexte sanitaire, ça nous n'en doutons pas. Et ça, nous n'y pouvons... Euh, ce n'est pas que nous n'y pouvons rien, mais enfin c'est la vie du virus, on n'y peut pas grand-chose. Euh, on... En revanche, le gouvernement n'a pas agi, et j'y reviendrai dans mon direct, n'a pas agi pour limiter au maximum, en tout cas n'a pas assez agi, c'est facile, de, facile de, donner, de donner les leçons, mais enfin c'est vie partagé par beaucoup de Français, le gouvernement n'a pas assez agi pour limiter les effets de ce virus. Pour permettre que les Français soient, mieux, soient moins exposés au virus et puissent mieux, puissent mieux, euh, puissent mieux être, être soignés. Euh, nous avons un pays qui a été mis à l'arrêt sans nuance aucune. Euh, le, le second confinement se déroule finalement comme le premier, c'est-à-dire que euh, nous avons des départements qui sont plus ou moins affectés euh, par le virus. Je regardais hier une carte de Santé publique France, me semble-t-il, où nous avons, même si, le, même si le virus, même si la, la contamination prend de l'ampleur, nous avons grosso modo des, une, des cartes qui ne sont pas très différentes de ce qu'elles étaient au printemps. C'est-à-dire que le virus est grosso modo, bien sûr, davantage présent dans les métropoles, parce qu'il y a de grandes concentrations euh, humaines. Euh, qu'il y a une démographie plus forte, mais le virus aussi. Euh, j'ai l'impression, hein, j'ai pas l'impression que ce soit qu'un 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 qu qu ressenti. J'ai l'impression qu'il est quand même davantage, euh, il se développe davantage dans la moitié est du pays que dans la moitié ouest. La moitié ouest n'étant pas préservée, n'étant plus préservée, contrairement à ce qu'elle a pu être au printemps, où elle était relativement préservée, mais enfin, il y a quand même moins de cas dans la, dans la partie ouest du pays. Et bien pour autant, nous avons euh, une, euh, encore une fois, une mise à l'arrêt du pays euh, sans nuance, euh, un confinement sans nuance, alors qu'on aurait pu peut-être, je ne sais pas, confiner avec, confiner avec des, des graduations en fonction de la circulation du virus et puis naturellement euh, réévaluer ça s'il y a une aggravation éventuelle de, de, de la dite circulation. Non, nous avons eu un, une mise à l'arrêt, encore une fois, selon un plan unique, ce qui a naturellement de graves effets, euh, notamment sur le plan économique. Euh, ce faisant, avec le premier confinement de mars-mai, le tourisme a fait une mauvaise saison. Mh, c'est ça, ça c'est quand même important. C'est quand même quelque chose de préoccupant que, que, le, que, que les activités touristiques euh, aient été aussi euh, impactées par le virus. Et naturellement, nous avons perdu, euh, nous, enfin les, les TPE, les PME, pour beaucoup d'entre elles, ont dû fermer, ont dû licencier du personnel. C'est une crise sans fin euh, pour les TPE et PME et pour tout notre tissu économique depuis le dernier semestre et euh, la manière dont le gouvernement gère cette crise n'aide pas manifestement à ce que notre système productif et notamment les TPE PME et TPI euh, eh bien sortent la tête de l'eau déjà qu'elles sont bien malmenées dans ce pays avec euh, des charges sociales qui sont en hausse tendancielle et qui les étouffent euh, elles le sont d'autant plus aujourd'hui Tant et si bien que, en dehors des PME, TPE, mais globalement, l'économie française a perdu, euh, me semble-t-il, dans le deuxième, deuxième trimestre 2020, 13%, euh, 13% du PIB par rapport au premier semestre, par rapport, pardon, au premier, par rapport au quatrième trimestre 2019. Très exactement. 13% du PIB, euh, c'est, c'est énorme et anormal. Alors bien sûr il y a le virus qui fait que nous nous aurions mécaniquement perdu en produit intérieur brut, euh, mais euh, cette perte est selon moi et selon beaucoup de Français aggravée par la aggravée par la politique du, go, du gouvernement qui par certains aspects euh, est une est une non politique c'est-à-dire que c'est une absence de choix plutôt c'est c'est un mélange d'absence de choix et de choix qui sont euh, contre contreproductifs qui sont mauvais. Euh, ça, c'est pour l'aspect, les aspects économiques. Euh, quant aux aspects sanitaires, nous observons quand même que on nous a annoncé durant le premier confinement qu'il y avait un problème de lit. Et effectivement, il y a eu un problème de lit en mars, avril, mai. Il y a eu euh, euh, des milliers de patients. Euh, il y a eu des milliers de, comment de personnes contaminées qui, en quelques jours, ont dû être prises en charge par euh, les hôpitaux, dans les services de réanimation. <laughs> euh, et on nous a expliqué que les 5500 lits, je ne suis pas sûr du chiffre, je ne suis pas sûr de la centaine, c'est 5000 quelque chose, je crois que c'est 5500, les 5500 lits ont pu être transformés. In extremis en 7000, parce que les hôpitaux ont pu prendre leur disposition, mais que 7000, c'était le seuil maximal, et qu'on ne pouvait pas monter au-dessus de 7000. Euh, il y a eu, au maximum de la crise sanitaire fin avril, 7000 personnes, 6500 à 7000 personnes, euh, en service de réanimation. Autrement dit, euh, C'était on touchait le seuil maximal de, de, des capacités de réanimation au niveau national après naturellement et heureusement ça ça a décru. Mais donc on a compris, on a su que euh, au, au pire en France on pouvait disposer de 5500 lits de réanimation. au mieux on pouvait euh, on pouvait essayer d'en avoir 7000. Et le gouvernement nous avait expliqué que naturellement, il renforcerait euh, ce nombre, qu'il créerait des lits de réanimation. Quand je dis lits de réanimation, bien sûr, ne, ne, ne nous figurons pas des. Ne nous figurons pas, des, des enfin, pas des lits au sens propre. Hein, ce sont des. Ce sont des, des vous, vous le savez, des appareils pour réanimer, euh, pour, pour, les, pour les personnes qui sont le plus lourdement affectées euh, par le virus, qui ont, dont, le, dont le virus les atteint euh, gravement au niveau respiratoire. Euh, enfin, on avait compris que ces 7000 lits étaient insuffisants et le gouvernement avait donc dit qu'il euh, qu augmenterait le nombre de lits Eh bien plus de six mois après nous en sommes toujours au maximum à 7000 lits nous pas euh, nous n'avons pas euh, le gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires euh, pour qu'il y ait davantage de lits devant, devant une, une deuxième vague qui n'était pas forcément prévisible obligatoirement mais qui tout de même pouvait arriver, euh, le gouvernement qui nous, a, qui nous a tant fait la leçon sur euh, euh, la nécessaire autodiscipline des Français pour endiguer le, le virus, euh, sauver des vies, rester chez vous, lavez-vous les mains, mettez les masques, lesquels masques n'étaient pas nécessaires et importants au, au début de la crise, mais maintenant mettez les masques. Bref, il y avait eu beaucoup de leçons comme cela du gouvernement, euh, moyennant notamment une promesse qui était celle de mettre en place des lits les lits ne sont pas là, et nous en sommes toujours à 7000 lits, alors que nous avons des scénarii qui euh, pour la... pour cette... Euh, concernant cette... je sais pas s'il faut vraiment l'appeler une deuxième vague, enfin oui, c'est vrai qu'il y, qu y, y a une hausse des cas. Disons, disons une deuxième vague, pour simplifier, même si ça n'est peut-être pas scientifiquement correct, je ne sais pas. Euh, cette deuxième vague, actuellement, il y a différents scénarii, euh, le plus positif étant celui de 6000 personnes en réanimation, le plus négatif étant de 15000 personnes en réanimation. Euh, la médiane étant la médiane étant sans doute d'une dizaine de milliers de cas. Euh, si c'est un scénario médian, nous sommes d'ores et déjà au-delà des capacités nationales de réanimation qui pour rappel sont euh, présentement de 7000 de 7000 personnes. Enfin, on ne, peut pas, on ne peut pas réanimer plus de 7000 personnes, sachant d'autant plus que, euh, comment dirais-je, euh, quid, des autres, quid des, des autres personnes qui, éventuellement, auraient besoin de services de réanimation, les accidentés de la route, euh, etc., etc., euh, ils ne pourraient euh, pas bénéficier, ou ils, ils auraient beaucoup de mal à bénéficier d'un service de réanimation, puisque prioritairement seraient traités les malades du coronavirus. Ce, ce, cette question des lits, euh, après la question des masques, euh, euh, marque l'incurie du gouvernement, marque la manière dont le gouvernement euh, à la fois fait la leçon aux Français euh, et puis ne prend pas en compte euh, ce qu'il faudrait faire réellement. Il pousse les Français à une constante autodiscipline. C'est vrai qu'il faut s'autodiscipliner, qu même si le gouvernement le fait sans doute avec une vision un peu, un peu hygiéniste et, et, et en infantilisant les gens. Mais euh, tout en infantilisant les gens, tout en les poussant à l'autodiscipline, il ne fait pas ce qui serait nécessaire. Euh, notamment, alors ça a été au printemps notamment produire, les, produire euh, des masques en France euh, et là euh, bien faire des lits supplémentaires. Et puis concernant le concernant le, le reconfinement, le second confinement euh, proprement dit, euh, concernant le second confinement proprement dit, il y a des incohérences <coughs> puisque les, enfin, des incohérences. Moi, je ne juge pas la rigueur, mais des, cho des choses qui, qui sont incomprises de la majorité de la population. Puisque les écoles euh, sont restées fermées durant le premier confinement, elles sont maintenant ouvertes. Alors, il y a, la, il y a certes la crainte, bien légitime, de, du décrochage scolaire. Euh, L'idée... Euh, qui est quand même euh, la préoccupation qui est quand même bien compréhensible que 2020 soit une année 2020-2021 soit une année euh, soit, soit une année gâchée euh, et donc il faut sans, il faut sans doute euh, là pour le coup euh, laisser les écoles ouvertes c'est ce qu'a fait le gouvernement cependant les écoles sont euh, euh, même s'il y a des mesures de distanciation sociale les écoles restent des foyers euh, des foyers de, de, des foyers de contamination, évidemment. Euh, les écoles qui étaient fermées sont désormais ouvertes. Les transports sont toujours ouverts. Bon, il faut bien que les gens euh, utilisent les transports publics, ça d'accord, même si, euh, naturellement, là, c'est un foyer de contamination, pour le coup. Euh, notamment dans les transports en commun, notamment en Ile-de-France, et notamment euh, principalement le métro et le RER. Si ça c'est pas un foyer de, con de contamination, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, là encore une fois, on peut pas mettre tout le pays à l'arrêt. Là où c'est le. Donc on ne on, on, on peut se borner qu'à constater euh, des incohérences sans dire toutefois qu'est-ce qu'il faudrait faire, euh, sans proposer un contre-modèle. Oui, les transports publics sont un foyer de contamination, mais que peut-on faire réellement? En revanche, on peut faire concernant les commerces cohérence qui a, a vraiment frappé les j'allais dire les petits commerçants c'est un peu péjoratif mais les, oui les, pe les petites surfaces commerciales qui constatent oui, oui. Euh, que qu'on leur indique que alors les commerces les commerces euh, dits non essentiels entre guillemets euh, doivent être fermés euh, dans les centres-villes enfin en dehors des en dehors des grandes surfaces commerciales en dehors des supermarchés hypermarchés en revanche les hypermarchés, supermarchés restent ouverts, ce qui de fait, euh, tout à la fois crée une crée une concurrence faussée et par ailleurs euh, contribue à contribue à la propagation du virus puisque dans les supermarchés et surtout les hypermarchés, par définition, il y a de grandes concentrations humaines et donc euh, même s'il y a des mesures de distanciation, même si euh, il y a le masque, etc., il y a tout de même une, une, une une, pro une propagation à minima du virus. Euh, différents secteurs économiques, notamment les fleuristes, les libraires et les petits commerçants en général, ont fait savoir depuis euh, une semaine à peu près euh, leur opposition à euh, bah, ce qui était, euh, comme, comme je l'ai dit, une, une, de fait une concurrence complètement faussée, et ce qui nuit à un secteur déjà bien fragile le petit commerce dans les centres-villes lesquels souffrent depuis euh, des années de la désertification commerciale laquelle désertification commerciale est confortée par l'extension euh, sans cesse sans cesse des grandes surfaces commerciales à la périphérie des métropoles et pas que des métropoles hein, d'ailleurs même des villes moyennes il y a eu donc un mouvement de contestation euh qui, euh, assez étrangement, n'a pas, pas été en pure perte, parce qu'il y a régulièrement comme ça des mouvements de contestation thématique, qui sont généralement pertinents. Hein. Oh les médias disent, disent, disent euh, à l'envie euh, qu'il s'agit de, de poujadisme, néo-poujadisme, en référence à ce mouvement de petits commerçants qui avait été initié par le député Poujade à la fin de la quatrième République, et se faisant par ce type d'éléments de, de langage négatif, il caricature euh, la situation des petits commerçants. Et donc souvent ces, ces luttes sectorielles ne mènent à rien. Là, il y a eu un véritable euh, un véritable une véritable curiosité euh, médiatique autour de cette question et euh, localement, il y a eu des maires courageux quelle que soit leur appartenance politique d'ailleurs, même s'il faut bien reconnaître que les maires du Rassemblement National ont été les premiers au front, c'est le cas de le dire, pour demander un maintien notamment dans les centres-villes des commerces de ces de ces fameux commerces dits non essentiels. J'ai vu ça à <laughs> J'ai vu, euh, vu ça à Hénin-Beaumont, euh, j'ai vu ça à à Moissac, donc sans des villes Rennes. Euh, et puis euh, en dehors des villes Rennes, j'ai vu cela à, comment s'appelle cette ville, à Hier, en, en Essonne, à Freinet-sur-Sarthe, à Béziers bien sûr, dans d'autres dans villes comme ça, une ville dans Lyon aussi dont je n'ai plus le nom. Il y a quelques dizaines de villes euh, qui, euh, vraiment avec des mères de toute sensibilité politique, euh, ont passé des arrêtés municipaux pour, eh bien, réouvrir ces commerces pour que euh, leurs centre-ville, qui sont déjà bien, bien à la peine la plupart du temps, pour, pour tout un tas de raisons, hein, la désertification commerciale, mais aussi, il faut le dire, des raisons euh, d'insécurité, hein, maintenant, qui, se, qui sont... Qui sont, plus, qui sont de plus en plus communes à l'ensemble de ces villes. Bref, ces centres-villes qui sont de plus en plus à la peine euh, le sont d'autant plus avec ces mesures négatives du gouvernement. Et il y a donc eu dans quelques dizaines de communes, comme cela en France, peut-être quelques centaines, au moins quelques dizaines en tout cas, des arrêtés municipaux qui ont été passés pour permettre, ou plus exactement, tenter de permettre la réouverture de ces commerces dits non essentiels. Euh, ces commerces ayant réouvert, cela naturellement a ramené euh, un peu de vie, un peu de vitalité dans ces centres-villes meurtries. Ces commerces ont réouvert, euh, bien sûr, dans le respect euh, des normes de distanciation sociale et des gestes barrières. Alors, localement, ça et là, il y a eu la tentative des préfets de casser les arrêtés municipaux en question. Je crois que c'est ce qui s'est passé à, ou c'est ce qui est en train de se passer. J'ai vu ça hier à Béziers, où l'arrêté municipal du maire a été contesté par le préfet. Donc il y a une guerre entre le préfet et euh, le, le maire de Béziers, la ville de Béziers, <coughs> par ailleurs sous préfecture de l'Hérault. Euh, on voit qu'il y a une volonté de l'État de, de casser euh, quelque chose qui, qui, pour le coup, euh, procède réellement de, de cette logique, comme on dit, de subsidiarité, c'est-à-dire décider des bonnes choses à la bonne échelle eh bien, là, les maires, qui sont les premiers représentants des intérêts moraux de leur commune, ont, pour, pour beaucoup d'entre eux, encore une fois, quelle que soit leur sensibilité politique, décidé de réouvrir certains commerces de leur centre-ville. et l'état, euh, par, euh, par euh, je, je dirais pas par zèle, mais l'état, par, par, par incompréhension euh, des aspirations réelles des français, a décidé, de euh, combattre certains de ces arrêtés municipaux, euh, ça montre encore une fois que la, politi la politique du gouvernement n'est pas la bonne, parce que euh, naturellement, les maires qui décident de réouvrir ces commerces ne le font pas en ne le font pas en, en ne prenant pas en considération les normes de, les normes, euh, les normes de distanciation et les gestes barrières. Euh, les, mag les, 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 les magasins qui réouvrent sont adaptés. Enfin, on ne, on ne peut pas déambuler, par exemple, dans l'entièreté le, dans, dans, dans de la surface des magasins en question. L ces choses-là sont adaptées, mais euh, il y a une guerre entre certaines communes et certaines euh, préfectures, manifestement, dont je ne connais pas l'issue, même si on peut quand même la deviner. C'est-à-dire, probablement, hélas, une. Euh, eh bien. Euh, le fait que l'État cassera euh, tous ces euh, arrêtés municipaux. Cela ne nous empêche pas de combattre et de dire à la population que oui, ces arrêtés municipaux, quelle que soit l'appartenance des maires en question, sont une bonne chose, qu'il faut, qu faut mettre cela à l'actif des maires en question, euh, que c'est une bonne chose pour l'économie des villes en question, qui sont souvent des villes moyennes, qui sont souvent euh, ces villes de cette France, France qu'on dit un peu périphérique. Périphériques de quoi Eh bien, périphériques des métropoles qui, elles, ne sont pas concernées par ces problèmes parce qu'elles ont des activités commerciales euh, non seulement en leur centre et en leur périphérie euh, avec les, les hypermarchés, les galeries commerciales, etc. Alors, je vois que sur le fil de discussion, il y a plusieurs personnes qui. Euh, qui. Euh, oui. Qui me disent bonjour. Alors, bonjour à Sandrine, bonjour Didier de Vendée, que je connais bien, Jean-Pierre Bonnel de Saint-Lazare, bonsoir Jean-Pierre, euh, Andrea, bonsoir Andrea, Lara, bonsoir, Valérie, qui me dit Les enfants de, alors je pense que c'est moins de 6 ans, sont trop jeunes pour porter des... <coughs> pour porter des masques toute une journée, ils ne font que les oui, effectivement, c'est très, très facile, vous le savez autant que moi, puisque tout le monde est abonné, si je puis dire, au masque maintenant, que c'est obligatoire dans l'espace public, c'est très facile, vous le savez, de tripoter le masque, puisque je crois, statistiquement, se tripote le visage 500, 300 fois par jour, me semble-t-il, même si on fait très attention, c'est très facile de tripoter le masque, de le remettre, de, de le toucher de toucher ses voies respiratoires, de toucher son nez. Et donc, euh, même si nous, adultes, pensons à ne pas faire ces gestes <coughs> qui sont contre-productifs puisqu'ils annulent en partie l'effet du masque, comment des enfants de moins de 6 ans ou des enfants tout court euh, pourraient penser à ne, à ne pas faire ces gestes, effectivement euh, Ils font que le toucher, oui, effectivement. C'est du n'importe quoi, rajoute Lara. Euh... Valérie rajoute, les collégiens à partir de la troisième et les lycées sont pratiquement des adultes. Les envoyer dans des établissements, c'est les mettre en danger. Ils sont les plus sujets à attraper le virus il y a suffisamment de moyens pour leur permettre de suivre les cours par caméra ou autre. Oui, c'est vrai. et Là, pour le coup, les. les... Par les cours par visioconférence, c'est une solution partielle, mais c'est une solution quand même pour euh, non pas complètement empêcher le décrochage scolaire, mais le diminuer en tout cas. Et puis pour le coup, dans le, le, à l'université, c'est parfaitement adapté les, les, les cours en, en visio. Autre commentaire, dans ce gouvernement, il n'y a que des incapables, ils n'ont pas su gérer la première crise. Alors la deuxième, qui j'espère est la seconde, c'est-à-dire qu'il n'y en aurait pas de troisième dans ce cas-là. Alors la deuxième, c'est ce n'est même pas la peine, et au niveau des hôpitaux, c'est lamentable, à croire que la première vague ne leur a pas survie de leçons. C'est un peu mon opinion, euh, notamment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, <laughs> sur la question des lits, où le gouvernement a montré qu'il n'avait pas été assez, euh, pour reprendre un des termes, cher à République En Marche, et à M. Macron, le gouvernement n'a pas été assez proactif, pour le coup. Un terme qui vient du monde de l'entreprise. Il n'a pas été assez proactif, il n'a pas, euh, pas, pas prévu les choses... Il n'a pas prévu des choses qui pourtant n'étaient pas imprévisibles, puisqu'il suffisait de regarder les courbes et de constater que non, avec 5500 lits qui deviennent 7000 ricrac, on ne peut pas soigner des 15 000 cas putatifs, voire même 10 000 cas dans des scénarios médians, et qu'il y a, dans ce cas-là, 3 000 personnes qui sont en attente. Et qui donc meurent, qui donc, qui donc sont en danger, de, en, sont en danger, euh, en danger de mort à court terme. Euh, voilà pour ce qui est du reconfinement, du contexte sanitaire. Je pense que j'ai fait un peu, à peu près le tour. Euh, à ce contexte sanitaire bien désagréable, euh, qui, est, euh, qui est pour partie responsabilité du gouvernement et puis pour partie, bien sûr, il n'y peut rien mais enfin ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie euh, euh, où le gouvernement a une responsabilité. À ce contexte bien désagréable se, se, se rajoute en plus une, une, un contexte sécuritaire très aggravé depuis ces dernières semaines, puisque nous le savons, nous avons depuis ces deux dernières semaines une recrudescence des actes de terrorisme islamiste, pas qu'en France, puisque nous avons... Euh, Hélas, hier soir, vous l'avez vu euh, euh, dans les médias et sur Internet, un acte terroriste en Autriche, à Vienne, avec plusieurs morts, trois morts me semble-t-il, je n'aurais pas à dire de bêtises, corrigez-moi si ce n'est pas le bon chiffre, euh, mais enfin, plusieurs morts dans la capitale autrichienne. Cela montre aussi que, cette, euh, <coughs> que cette, euh, cet islamisme djihadiste, cet islamisme qui prône euh, euh, le djihad, l'effort en arabe mais en fait une guerre, euh, une guerre sacrée contre les, contre les occidentaux. Pour résumer, euh, ce djihadisme euh, n'est pas un phénomène euh, qu'on pourrait croire euh, franco-français euh, en raison de notre histoire, de notre euh, du, du, du leg de notre empire colonial, etc. De l'immigration de populations. Euh, Inassimilable au reste, tant elles sont nombreuses. Euh, non, ça n'est pas qu'un phénomène franco-français, c'est un phénomène, un phénomène euh, européen, si ce n'est occidental, puisqu'il y a eu cette triste, euh, c'est ce, 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 triste, oui, puisqu'il y en a eu plusieurs finalement, attentats euh, horrible décapitations à conflans sainte honorine puis à Nice. Euh, mais il y a eu, il y a eu donc cette, euh, ce, cet attentat à Vienne. Il y a eu aussi eu. Euh, on, on les oublie à force parce que il, il, ces, ces attentats s'enchaînent et on a du mal à, à en conserver une mémoire exhaustive. Il y a eu aussi, euh, vous vous en rappelez, cet attentat l'an dernier à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Je crois que c'était au printemps 2019. Euh... Ouais, ouais, je dis une bêtise, je crois que je ne sais pas ça. Non. Je, dis... je crois que je dis une bêtise. Enfin, il y a eu, des... il y a eu différents attentats dans différents pays du monde. Ce n'est pas qu'un qu phénomène franco-français. Cela montre qu'il y a une offensive globale de cette, de cette forme d'islam-là, extrêmement belliqueuse, qu'est l'islamisme, caractérisé notamment par une activité terroriste qui frappe d'autant plus efficacement de son point de vue qu'elle frappe euh, euh, avec des, des individus qui, euh, qui, euh, qui agissent solitairement. Enfin, les, les terroristes qui, euh, qui, euh, qui décapitent, euh, qui assassinent, euh, ne le font pas parce qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais ne le font pas parce qu'ils seraient missionnés par l'État islamique, par exemple. Ils le font mu par l'idéologie de, de l'État islamique, mu par le salafisme, mu par l'islamisme, le, le takfirisme, etc. Mais ils sont ensuite opportunément récupérés par l'État islamique qui indique euh, ici, dans tel pays, il y a eu un attentat, nous nous en félicitons, etc. etc. L'État islamique opportunément, la plupart du temps, récupère des, des actes. Euh, de, de personnes qui sont des, des fanatiques, qui sont les, les, véritablement les ennemis de notre civilisation. Euh, mais l'une des, des novations de cette forme de terrorisme par rapport à ce qui avait pu exister euh, notamment dans les années 2000 avec Al-Qaïda et ACMI, euh, c'est que ce sont des, des, des personnes qui agissent solitairement et qui ensuite sont récupérées de manière opportune, par, par l'État islamique, qui se félicite de leur action. Euh, à ce, donc, à ce contexte sanitaire, pour revenir à ce que je disais, se surajoute un contexte sécuritaire extrêmement aggravé, un cap, très clairement, un cap a été franchi avec l'assassinat de ce professeur Samuel Paty le 16 octobre, parce que, euh, pour une partie de l'opinion publique, et notamment... Les Français qui se situent plutôt à gauche, euh, c'est une, euh, qui n'était pas réveillé jusque-là. C'est vraiment, c'est réellement une abomination parce que là, c'est un professeur qui a été euh, assassiné, donc un peu le symbole des valeurs républicaines, égalité, liberté, de fraternité, euh, quelque chose qui parle réellement à la gauche. Et on a pu observer, euh, hélas, parce que cet homme est mort pour rien. Euh, alors qu'il faisait son métier et qu'il qu ne faisait que son métier. Qu'il qu il fasse ou pas son métier, il n'y a aucune raison de tuer un homme comme ça. C'est une monstruosité qu'il faut absolument dénoncer et combattre en disant que ces gens qui nous combattent ne sont pas des adversaires, qu'ils sont des ennemis et donc qu'ils doivent être réduits parce qu'ils sont des ennemis. En tout cas, cet homme, M. Paty, dont j'espère le nom... Euh, sera donné à beaucoup d'établissements scolaires dans notre pays, à des collèges, et à des lycées. Cet homme, Samuel Paty, euh, parce qu'il était un enseignant qui enseignait la, qui, qui, qui enseignait la liberté d'expression en classe, euh, en cours, me semblait-il, d'éducation civique, et... oui, civique. Euh, parce qu'il est un enseignant, ça, ça a quand même retourné une partie de l'opinion plutôt de gauche, qui était plutôt indifférente ces dernières années à ces questions. Euh, à ces questions de comment dirais-je de terrorisme d'islamistes qui, qui nous expliquaient que c'était grosso modo des des fantasmes du front, enfin, oui, du front national euh, qui nous expliquaient que ce n'était pas des réalités mais des choses qui étaient dans dans le, dans le euh, voilà qui, qui correspondait à un imaginaire de gens euh, racistes d'extrême droite etc ce n'est pas du tout un imaginaire, c'est une réalité puisqu'il y a maintenant plus de 200, euh, plus de 250 morts, près de 300 morts me semble-t-il depuis 2012 et l'attentat euh, de Toulouse. Euh, 300 morts du fait de l'islamisme en France. Et là, du fait qu'hélas un professeur a été tué, ça a contribué à réveiller une partie de l'opinion qui était endormie. Moi, j'ai noté quand même des choses intéressantes. Euh, alors, qu'est-ce que ça vaut Je ne sais pas, mais c'est quand même révélateur de certaines choses. Euh, Qu'il y ait euh, des discours euh, qui commencent à parler euh, de... Est-ce est qu'on ne serait pas un peu euh, dans le déni sur la question de l'immigration et de l'islamisme de la part de, de personnes comme Patrick Cohen, qui n'est absolument pas un ami du Rassemblement national, puisque un, vous le savez sans doute, c'est un présentateur télévisé, qui travaille, je crois, sur France 5, après avoir été l'une des figures de France Inter, qui n'est pas du tout un ami des intérêts français. Eh bien, si même un Patrick Cohen se met à parler de déni concernant ces phénomènes migratoires et terroristes, euh, c'est qu'il y a, donc sur une antenne, euh, sur le service public télévisuel, c'est qu'il y a sans doute euh, euh, un commencement de bascule d'une partie de l'opinion qui était insensible à ces questions et qui est devenue sensible parce qu'elle a été touchée en plein cœur, parce que la personne assassinée est un professeur qui donc correspond à un certain imaginaire de la gauche, un certain imaginaire de l'idéal républicain. J'ai noté la réaction de Patrick Cohen. J'ai noté aussi euh, sur le plateau de CNews une analyse de Julien Drey, qui n'est pas davantage un ami du Rassemblement National, puisque c'est un ancien député socialiste, euh, qui a parlé d'un éventuel moratoire sur l'immigration. Alors ça, si c'est pas un discours... Euh, qui peut être proche des analyses du Rassemblement National, je ne sais pas ce que c'est. C'est grosso modo ce que nous disons, en version atténuée, parce que là c'est moratoire, hein, ce n'est pas ce que nous disons exactement, mais c'est euh, une version édulcorée, atténuée, un peu Canada Dry de ce que nous disons, euh, nous, Front National, depuis euh, euh, 50 ans presque. Oui, 50 ans. Euh, et nous, 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 nous nous sommes fait connaître depuis une trentaine d'années en étant le parti pionnier sur ces questions, la question migratoire et sécuritaire, non que nous soyons fascinés par ces questions, mais parce que nous voyons bien que ce sera euh, la question migratoire en tout cas et la question identitaire qui est sous-jacente, c'est-à-dire est-ce que nous allons laisser notre pays et nos pays d'Europe devenir islamisés Ces questions-là, nous les portons dans le débat public, euh, d'abord dans le désert depuis une trentaine d'années, et maintenant, hélas, au fur et à mesure de la recrudescence de ces attentats terroristes, nous commençons à porter ces questions sur le débat public en étant, hélas, je dirais, de plus en plus entendus. Les Français commencent à se réveiller, mais ils se réveillent, euh, encore une fois, hélas, à chaque fois qu'il y a une crise comme cela, à chaque fois qu'il y a un attentat comme cela. Et il est intéressant qu'une partie de la gauche... Oh, elle ne se ralliera pas, mais elle commence, elle commence à douter, elle commence à, à se dissocier sans doute, oh sûrement même, elle se dissocie d'une autre gauche qui elle reste sur des positions classiquement euh, indigénistes, euh, classiquement euh, et paradoxalement euh, racialistes, puisque cette gauche indigéniste qui elle ne veut pas entendre parler. D'islam, de terrorisme, d'islamisme, d'identité et même de laïcité. Euh, cette gauche euh, indigéniste, euh, celle des Daniel Obono, des Clémentine Autain, sans doute aussi en partie celle d'un Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas très clair sur ces questions, cette gauche indigéniste-là est paradoxalement euh, racialiste, puisqu'elle met comme. Euh, élément central du débat public en france et eh bien la question euh, la question ethnique de manière de manière euh, de manière inversée puisque c'est en gros une la manière dont elle le fait c'est c'est en gros la chasse euh, aux français euh, c'est contester ce qu'est l'identité française euh, historiquement et toujours activer les leviers de la repentance coloniale etc. Euh, donc, un cap a été franchi avec l'assassinat de ce professeur, hélas, qui a été commenté, y compris à gauche. Je ne dis pas naturellement que cela fera des. Euh, que ces électeurs. que ces. Euh, ces grandes figures de la gauche ne deviendront pas, certainement, pour la plupart d'entre elles, des électeurs du Rassemblement National. Je n'en doute pas. Elles n'appelleront jamais euh, à. Euh, à peut-être changer, euh, changer de politique et. Euh, à, Abandonner le soutien à Emmanuel Macron, ou en tout cas la neutralité, à abandonner le Nini. Elles, elles, ne, elles ne franchiront jamais le Rubicon au point de dire que c'est peut-être Marine Le Pen qu'il nous faut et le Rassemblement national. Ça, c'est le positionnement des grandes figures de la gauche. Mais quant aux électeurs vaguement de gauche euh, qui ont été saisis d'effroi par l'assassinat de, de ce professeur, euh, là, je pense qu'il y a une bascule qui peut s'effectuer dans les mois à venir. C'est bien triste, c'est bien triste que cela arrive après la mort d'un professeur, mais je pense que ce sera en partie une des novations du scrutin de 2022. C'est que la question du la question identitaire, au sens large, sera prise en compte par un panel beaucoup plus large de Français, qui, dont une partie de Français qui autrefois était sans doute indifférent. Euh, à cette question parce qu'il l'assimilait euh, comme exclusivement lié aux thématiques de campagne du Rassemblement National. Et il disait donc, non, non ça, ça, on n'y touche pas. Eh bien, petit à petit, euh, les Français, pour reprendre le slogan du RN, euh, les Français se réveillent. Alors, ils se réveillent, hélas, à chaque fois qu'il y a des... ce type d'acte de... dramatique. Concernant le contexte sécuritaire, euh, je l'ai dit il y a quelques minutes, l'islamisme euh, qui pouvait paraître comme un, une sorte de fantasme il y a quelques années pour une partie de la population, je pense qu'il est beaucoup mieux perçu maintenant que l'islamisme euh, est, un, est un ennemi qui n'est pas qu'un adversaire, ce n'est pas, pas une forme politique avec laquelle nous pouvons transiger, et donc quand nous lui répondons... Quand nous lui répondons Enfin, ce n'est pas nous, mais quand le gouvernement lui répond euh, avec euh, des chartes, avec des numéros verts, avec des cellules d'écoute pour empêcher la radicalisation, selon le terme consacré, euh, quand le gouvernement lui répond avec la seule laïcité ou les valeurs républicaines, euh, c'est vraiment euh, ne pas pas savoir ce que l'on combat et méconnaître l'ennemi, parce que l'ennemi, en l'occurrence, euh, c'est un système qui euh, est hostile aux intérêts français, naturellement, qui ne reconnaît absolument pas euh, la République française, puisque son, son intérêt et son but, c'est de constituer l'Ouma islamique, c'est-à-dire la communauté musulmane, à l'échelle planétaire. Et donc, ce n'est pas en lui assénant les valeurs républicaines que nous allons convaincre ces hommes. Lesquels hommes, d'ailleurs, ne cherchent, ne cherchent pas autre chose qu'à être des martyrs de leur cause. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ces attentats. C'est aussi en partie pour ça qu'il y a ces attentats terroristes, c'est que ces gens ne craignent pas de mourir pour leur idéal, puisqu'ils sont des fanatiques. Toute chose que nous combattons. Eh bien, nous ne répondrons pas au fanatisme par des chartes, des bougies, euh, des petites peluches, des marches blanches, etc. etc., etc. Comme l'a dit Jordan Bardella au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty le 17 octobre, indiquant qu'il ne participerait pas à la marche qui, je crois, se tenait à Paris. Il y a eu différentes marches dans les principales villes de France. Il a indiqué quelque chose comme, euh, je dis de tête, euh, il faut dépasser la politique de la... De la marche blanche, il faut maintenant des actes, notamment l'arrêt euh, des flux migratoires, et puis euh, véritablement faire en sorte que euh, il n'y ait plus, euh, par exemple, ce développement anarchique des mosquées radicales. Il y a encore plusieurs centaines de mosquées radicales en France. Là, on nous annonce qu'il y a la fermeture administrative de la mosquée de Pantin. Euh, on pourrait penser que c'est bien, c'est bien de fait, mais c'est pour six mois, par exemple. C'est constamment euh, soit une absence totale de, de mesures coercitives contre l'islamisme, soit des demi-mesures, soit des, des mesures qui sont partielles euh, dans le temps. Enfin, c'est constamment des, des, des demi-choix. Il serait temps qu'il y ait des choix définitifs et de la fermeté contre l'islamisme. Voilà ce qu'on peut dire sur le contexte sécuritaire dont je me demande personnellement s'il n'est pas aggravé par le contexte sanitaire, parce qu'on a l'impression que euh, depuis l'annonce de la rumeur du reconfinement, il y a eu une recrudescence des attentats quand même. Enfin, vous avez bien vu ces projets d'attentats. Certains, hélas, concrétisés comme à Nice il y a quelques jours, d'autres euh, mis en échec comme à Lyon et ailleurs. Ça euh, retrouve-vil, me semble-t-il. Euh, il y a eu une recrudescence ces derniers jours donc je me demande s'il n'est pas... Euh, euh, si elle ne s'explique pas du fait que les Français, que les islamistes sentent les Français déjà un petit peu hagards, un petit peu, un petit peu assommés par le, par le reconfinement, etc. Et ils profitent sans doute de ce, de ce contexte pour nous, a, pour nous attaquer d'autant plus. Voilà pour le, le contexte un peu euh, sanitaire et le contexte sécuritaire. Euh, je lis un autre commentaire. Ils auraient dû mieux gérer la situation, je suppose, mais ils sont paumés en parlant du gouvernement a priori. Bah ben oui, ça c'est sûr qu'ils sont perdus entre les ordres et les contre-ordres. Ils se sentent aussi tenus au euh, gouvernement par euh, par, les, par le niveau européen hein, qui, qui, qui ne fait pas grand chose pour les aider. Euh, qui, euh, mais pour le coup, il n'y a pas de solidarité européenne. On nous parle constamment. De solidarité européenne quand il s'agit notamment de voter aux élections européennes tous les cinq ans, euh, on nous dit l'Europe le, cette forme de construction européenne là c'est nécessaire, il faut l'appuyer, c'est la, la solidarité européenne. Ben non, il n'y a pas tellement de solidarité européenne sur les grands, les grands enjeux, notamment les grands enjeux sanitaires. Hein. L'Union européenne ne nous aide pas, bien au contraire. <laughs> commentaire aussi de commentaires les gens. Il y a trop d'attentats, il y en a marre. Demain, ce sera peut-être nous. Oui, ah, je n'avais pas, pas lu. Demain, ce sera peut-être nous. Oui, ça peut être n'importe qui. Qu'attend mais... euh, Macron pour réagir euh, Moi, je pense qu'il euh, qu euh, agit par facilité qu'il se dit que quoi qu'il fasse, même s'il agit mal, il sera réélu comme dans, un, comme dans un fauteuil en mai 2022. Eh bien, il faut tout faire pour. Le... Pour lui montrer qu'il a tort et que non seulement il ne passera pas facilement au premier tour de l'élection, mais qu'il sera battu au second parce que les Français en auront assez. Et Valérie rajoute si on filtrait plus nos frontières, on n'en serait pas là aujourd'hui. Seulement nos frontières sont des vrais passoires. La preuve, c'est dernière semaine. Il est grand temps de faire le nécessaire parce que là, c'est l'Europe qui est touchée. Tout à fait pertinent, Valérie, effectivement. Il n'y a pas l'Europe euh, forteresse dont nous a tant parlé la gauche pour discréditer les thèses du Rassemblement national, notamment. Ce n'est pas l'Europe forteresse, c'est l'Europe passoire. Et Jordan avait eu cette bonne trouvaille dans un débat télévisé l'an dernier lors de la campagne des élections européennes euh, au printemps 2019. On lui avait demandé euh, quel, quel objet symbolisait l'Europe, selon vous. Il avait amené, vous savez, cette... Cette passoire de couleur rouge, je crois, c'était bien, bien visuel, bien graphique. C'était bien trouvé, Jordan. Et il nous avait expliqué que oui, l'Europe n'est pas autre chose qu'une passoire en ce moment, que nous accueillons annuellement à l'échelle européenne des centaines de milliers de personnes dont nous n'avons aucun besoin, qui sont inassimilables dans nos sociétés et qui ne viennent pas pas toutes, loin de là, de pays en guerre, mais qui viennent davantage d'États faillis du type Somalie, Érythrée, et aussi d'un certain nombre d'États d'Afrique subsaharienne, euh, avec lesquels nous n'avons que fort peu de liens, y, comp y compris ce ne sont pas des États de notre ancien empire colonial, pour certains. Euh, nous n'avons pas besoin de l'immense majorité de ces personnes, mais ils viennent de plus en plus massivement. Et il est naïf de croire que nous pourrons ainsi assimiler des peuples entiers, ce que nous pouvions très bien faire au 19e et 20e siècle avec des individus euh, venus en France euh, avec la pleine conscience qu'il fallait respecter ses valeurs, sa culture, ses mœurs. Nous ne pouvons plus faire cela, nous ne pouvons pas faire cela, nous... personne ne peut faire cela. Euh avec des gens dont une grande partie nous déteste et une autre grande partie est de toute manière inassimilable parce que pas de notre culture est venant en trop grand nombre. On n'assimile pas des peuples. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve cette phrase particulièrement pertinente. C'est une phrase qu'on retrouve couramment. Je ne sais pas si quelqu'un l'a inventée en particulier. On n'assimile pas des peuples. Euh, voilà pour le contexte euh, sanitaire et sécuritaire. Je vais conclure avec une ouverture sur l'actualité internationale, puisque on n'est pas on reproche au RN couramment de penser qu'il est dans un village gaulois, qui serait un petit peu le village d'Astérix. Non, nous savons que nous sommes dans un vaste monde avec. Euh, 195 États, je crois, à peu près, 193 États. Nous, contrairement aux autres, d'ailleurs, nous avons certainement une, une perception beaucoup plus objective que le monde est divers, qu'il est multipolaire, en tout cas qu'il doit tendre à être multipolaire et non pas unipolaire. De fait, il est de plus en plus multipolaire, le monde. Nous n'avons plus cette hyperpuissance américaine. Si caractéristique de la décennie 1990 après la chute du bloc soviétique. Non, là nous avons vraiment un mode de, de plus en multipolaire, de plus en plus multipolaire. Alors certes les pôles ne sont pas égaux, hein, mais nous avons euh, déjà un, un, un duopole qui s'annonce entre la Chine et j'y viendrai les États-Unis parce que je vais un petit peu parler des élections. En de l'élection présidentielle américaine, mais nous avons des pôles régionaux, euh, la Russie, le sous-continent indien, le Brésil, euh, peut-être demain des puissances comme les Émirats arabes unis, l'Indonésie, euh, peut-être l'Égypte pour des raisons démographiques. Euh, et puis là-dedans, nous avons euh, un Royaume-Uni maintenant indépendant de le, des institutions européennes au passage et puis des puissances déclinantes pour différentes raisons, démographiques en Allemagne, pour des raisons d'incapacité de... politique en France, en Espagne, etc., etc. Des et puissances déclinantes sur le plan démographique, enfin, le monde est un vaste complexe de pôles, ça nous n'en avons jamais douté, et c'est donc, le monde c'est un ensemble de souveraineté nationale, et nous pouvons euh, nous vanter, nous, Rassemblement National, d'avoir toujours perçu objectivement qu'il y avait... Cet agencement plus ou moins harmonieux des souverainetés nationales, et que donc défendre par exemple la souveraineté et l'identité des Français en France, ça n'est jamais que défendre implicitement la souveraineté et l'identité de tous les peuples du monde chez eux, chez eux, pas chez les autres. Euh, très bien que le. C'est très bien que les. Pays africains se développent et nous pouvons sans doute les aider à ce qu'on appelle le co-développement. Euh, une des conditions toutefois c'est qu'ils ne déversent pas une immigration euh, de plus en plus importante chaque année. Ça, ça n'est pas ça au bénéfice de personne, euh, ni des Français bien sûr, puisque cela diminue nos salaires, cela nous insécurise sur le plan culturel et nous insécurise au... au au plan physique, mais euh, ça n'aide pas non plus les pays africains qui, de fait, se voient vider de leurs élites et euh, se faisant soumises aux puissances privées, notamment les puissances du marché. Ça n'aide qu'un qu seul type de personnes, l'immigration, ce sont les passeurs qui profitent de la misère humaine pour, euh, eh pour s'enrichir. Et d'ailleurs, il faudrait que je revienne quelques minutes sur ce... Sur ce sur ce recours que nous avons engagé devant le tribunal administratif concernant cette subvention de euh, officiellement 10 000 euros de la part du conseil municipal de Saint-Lazare à l'association SOS Méditerranée, qui objectivement appuie l'immigration clandestine. Mais ça, c'est officiellement parce que c'est 10 000 euros par année de mandat de 2020 à 2026, donc 10 000 euros x 6 qui font 60 000. Nous avons, comme vous le savez sans doute, Engager au Rassemblement national un recours devant le tribunal administratif pour tenter d'annuler purement et simplement cette euh, subvention. Et c'est en cours. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté J'arrive pas à relire mes notes. Euh, euh, pour quelques instants, je vais relire mes notes. Voilà, c'est ça. Actualité du recours juridique. Euh, nous en sommes au stade de la préparation de la requête. Et le recours est en est en cours de dépôt, euh, notamment pour deux motifs, comme je l'expliquais dans un communiqué de presse le 10 octobre dernier, que sont la violation de la neutralité des services publics et l'absence d'intérêt local. Nous considérons que cette subvention euh, prélevée sur l'impôt des Nazériens et destinée à l'association SOS Méditerranée, qui encore une fois appuie l'immigration clandestine, ne présente pas d'intérêt pour la commune de Saint-Nazaire. Euh, je pense que beaucoup de nazériens pensent comme nous, y compris des gens qui ne sont pas forcément électeurs du Rassemblement National. Il euh, n'y a pas besoin d'être électeur du RN pour comprendre que euh, aider des gens qui viennent chez nous euh, sans que le, le bénéfice de leur venue soit prouvé, ça ne, ça ne les aide pas eux, ça n'aide pas la France, ça n'aide pas, pas les nazériens. Par contre, c'est payé avec l'impôt des nazériens, donc il y a peut-être un petit problème. Peut-être que ça fera réfléchir à des personnes qui n'étaient pas intéressées par le Rassemblement national, mais c'est pas le but. Le but, c'est de dénoncer quelque chose qui, selon nous, ne devrait pas exister, c'est-à-dire 60 000 euros, encore une fois, prélevés sur l'impôt des nazériens, pour faire n'importe quoi. Pour faire n'importe quoi, ce n'est pas tellement différent, même si c'est beaucoup plus grave, pour le coup. Euh, ce n'est pas tellement différent sur la forme que ces 40 000 euros qu'on avait eus, alors là c'est des débats nazéro-nazériens, hein, ça perdra peut-être les gens qui ne sont pas de Saint-Nazaire, mais on avait déjà dépensé en juin dernier 40 000 euros prélevés sur l'impôt pour installer des fleurs géantes à Saint-Nazaire, un peu partout, euh, lesquelles fleurs géantes pour beaucoup ont été dégradées. Là c'était 40 000 euros de dépenses d'argent public. C'est pas tellement différent dans la forme avec ce qu'on fait avec les immigrés clandestins, même si euh, aider les immigrés clandestins c'est beaucoup plus grave que construire des fleurs. Euh, qui euh, peuvent paraître esthétiques pour certains. Moi, je ne juge pas l'aspect esthétique des fleurs. Euh, je juge le coût pour la collectivité et le coût pour les, les nazériens, parce que l'impôt doit servir à des choses utiles. Euh, voilà. Et donc, en ouverture, quelques mots sur l'actualité internationale et notamment américaine. Euh, Jean-Pierre qui est dit. Bonne soirée à vous toutes, vous tous sans doute, et bon, et bon courage, vous, vous toutes et tous, pardon, et bon courage avec le confinement, à bientôt. Oui, il faudra du courage, parce que c'est un peu pénible parfois d'être confiné, mais bon, c'est comme ça. Euh, L'actualité internationale, euh, bon, j'ai principalement parlé en ouverture de l'élection américaine, pour dire différentes choses, euh, que, douda, que tout, que tout d'abord, à la fois, nous ne sommes pas des Américains, et donc euh, que cela devrait nous concerner modérément, puisque, étant des Français, pourquoi s'intéresser euh, autrement que par curiosité, comme ça, pour l'élection euh, présidentielle américaine C'est intéressant sur un, plan, sur un plan politique de voir qui va gagner. Euh, en plus, le système électoral, comme il est très complexe, et de fait intéressant pour les historiens, pour les politistes, pour les analystes de toutes sortes, c'est un système extrêmement complexe. Je pense que vous en avez quelques quelques, quelques vagues notions. C'est-à-dire que aux États-Unis, euh, puisque c'est un État fédéral depuis 1776, euh, eh bien, nous avons un... Un vote, euh, c'est un suffrage universel indirect finalement. Les électeurs ne votent pas d'ailleurs pour élire le président, ils votent pour des grands électeurs, 570. Lesquels euh, Donc ils font ça, c'est compliqué à expliquer. Hein. Ils font ça aujourd'hui le 3 novembre, mais ils ont commencé à le faire depuis plusieurs semaines avec ce qu'on appelle l'early vote, le vote anticipé. Ils votent pour des grands électeurs, lesquels éliront, mais pas maintenant. Le 20 janvier, enfin non, c'est pas le 20 janvier, c'est le 4 décembre, je crois, le 4 décembre à peu près, euh, iront le président des États-Unis. Euh, ce sont des grands électeurs qui vont élire le président des États-Unis, donc probablement, enfin c'est sûr à 99%, soit, euh, comment s'appelle-t-il, Donald Trump, soit Joe Biden, c'est-à-dire soit le candidat soutenu par le Republican Party, soit le candidat, soutenu, le parti républicain, soit le candidat soutenu par le Democratic Party parti démocrate qui sont les deux partis qui structurent la vie politique américaine pas depuis ses débuts puisque avant il y avait un proto-parti démocrate euh, avant 1854 me semble-t-il et puis il y a eu à la fin du 19e siècle un parti populiste aussi à la droite des républicains mais euh, en gros le, la vie publique la vie politique américaine est ainsi structurée depuis euh, après la guerre de sécession, après, après les années 1870, un peu comme nous d'ailleurs, nous sommes structurés entre une gauche et une droite euh, depuis aussi les années 1880 à peu près. Euh, donc c'est à 99% il y a 99% de chances que ce soit soit Trump qui soit réélu, soit Biden qui soit élu. Biden étant l'ancien euh, vice-président des États-Unis, il l'a été sous l'administration Obama entre 2009 et 2017. Il euh, y a aussi d'autres petits candidats, on le, on le sait moins, il y a un candidat un, une candidate du Libertarian Party, notamment, Parti Libertarien, Madame Jorgensen, un candidat... Euh, je crois, un parti constitutionnaliste, me semble-t-il, je ne voudrais pas dire de bêtises, et puis il doit y avoir des, des différents petits candidats comme ça, mais ça ne représentera pas davantage que 4% de l'électorat, a priori. 96% des Américains vont soit voter pour Biden, ou, euh, comment s'appelle-t-il, ou Trump, selon les différentes projections, et c'est comme ça, presque à chaque élection, les... Les candidats, euh, les, quand, je ne sais pas comment on dit en français, les candidats de tiers-partie, third-party candidates, nous représentent, représentent rarement plus de 5% de l'électorat, et le, le, et le maximum, euh, je crois que c'est 18% à l'élection présidentielle de 1992, Rospero, euh, et il y a eu comme ça, il y a eu aussi la candidature de George Wallace en 1968, euh, qui était un démocrate en rupture de banc, qui a dû faire à peu près 12%, mais ce sont des anomalies hein. Euh, ce sont les anomalies, lesquelles anomalies peuvent avoir, des, peuvent avoir des, 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 une influence toutefois sur le scrutin, puisque notamment en 1992, c'est Perrault qui a fait perdre Bush-Pair contre Clinton, et puis en 2000, c'est probablement la candidature de Ralph Nader, tout petit candidat qui a dû faire 2%, je crois, au niveau national, qui, en faisant basculer l'État de Floride au profit euh, du républicain, George Bush a fait perdre Al Gore, lequel était favori, et avait en plus gagné au vote populaire. Parce que, et pour y venir, si je ne vais pas détailler pendant une demi-heure, mais pour expliquer brièvement, on peut gagner aux États-Unis une élection sans avoir la majorité des suffrages exprimés, sans avoir ce qu'on appelle la majorité du vote populaire. Il suffit. pour gagner une élection aux États-Unis d'avoir la majorité des délégués, c'est-à-dire 270 sur 538. Et pour avoir la majorité des, des délégués, il suffit de... En gros, de, on, a, on a la majorité des délégués au niveau de chaque État. Donc il suffit de gagner les États un par un. Les États les plus stratégiques étant euh, principalement les États les, les plus peuplés, même si c'est plus complexe que ça, notamment la Floride, euh, le Texas. Euh, des États moins peuplés mais qui sont stratégiques parce qu'ils sont swing states comme on dit des États pivots ils peuvent changer d'une influence à l'autre la Pennsylvanie l'Ohio l'Ohio qui est l'État des l'État l'État des États dans toute élection présidentielle américaine puisqu'il y a ce, ce dicton euh, euh, je crois as Ohio goes « Go the nation euh, », ce qui se passe dans l'Ohio, bah, ça, ça, ça influence le, le, le contexte politique euh, à l'échelle de toute la nation. Voilà, voilà comment fonctionne euh, à grands traits le système euh, électoral américain. Donc il suffit pour gagner l'élection présidentielle américaine d'avoir la majorité du vote euh, du vote je sais pas comment ça s'appelle ce vote par état, le vote des grands électeurs, oui, c'est ça. Ils n'ont pas le vote populaire comme en France. C'est comme cela que Trump a gagné en 2016 avec, je crois, euh, vérifier les chiffres, je suis pas sûr au million près. Je crois 63 millions de votes, alors que Clinton, Hillary Clinton, a fait 65 millions. Clinton a fait un meilleur score, mais Trump a eu la majorité des grands électeurs puisqu'il a gagné notamment, euh, il a gagné plusieurs dizaines d'États et notamment des États stra très stratégiques que ce qui que sont toujours, la Pennsylvanie, euh, le Wisconsin et un autre État dont je n'ai plus le souvenir. Et il a gagné ces différents États, trois États au total, avec une marge, de, une marge cumulée de 75 000 voix. Autrement dit, s'il n'avait pas gagné ces États, il n'aurait pas gagné l'élection. Pourquoi je dis ça Parce que nous avons une élection présidentielle américaine en, en ce moment, -là, qui, a commencé, euh, qui, a, qui a commencé pas ce matin, il y a, il y a quelques jours avec le vote anticipé. Euh, il y a 100 millions d'Américains à peu près qui avaient voté euh, de manière anticipée, ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme, c'est euh, hors norme, et c'est probablement lié euh, au contexte sanitaire. Les gens ont voulu voter par avance, notamment ont voulu voter par correspondance. Euh, 100 millions d'Américains sur un corps électoral qui doit être à peu près de 275 millions. Je ne pourrais pas dire de bêtises, hein, je suis peut-être à 10 millions près. Euh, donc c'est vraiment énorme. Pour autant, la participation, vous le savez sans doute, aux États-Unis est... Et traditionnellement assez faible. Voilà, elle sera sans doute assez forte. Donc nous avons cette élection dont le, dont le, le gros du scrutin là se joue en ce moment là, dans les, dans les heures qui précèdent et les heures qui vont qui vont venir, avec euh, la fin du scrutin euh, dans à peu près euh, dans six heures à peu près, et puis l'annonce des résultats dans une dizaine d'heures maintenant. Bon, est-ce que ça nous concerne en tant que Français euh, Oui et non. Enfin non et je veux dire non et oui. Pour conclure, non parce que je vois Steve qui se connecte. Bonjour Steve et aussi Jean-Louis qui se connecte. Bonjour Jean-Louis. Euh, non, ça ne nous concerne pas parce que euh, nous sommes des Français, pas des Américains et que nous ne devrions pas avoir une, une, une nous faire une opinion euh, euh, trop prononcée de ce qui se passe aux États-Unis sans considérer ce qui se passe dans, dans, dans différents pays du monde et, et aussi en France. Le, le, les États-Unis, par exemple, ne sont pas, contrairement à l'expression consacrée, la plus, la plus grande démocratie du monde, en tout cas sur, sur un plan euh, strictement démographique. Si on prend la démographie, c'est l'Inde dans ce cas-là la plus grande démocratie du monde. Et quand il y a une élection en Inde, le... Président, euh, enfin, le, le, au, à la dernière, aux dernières élections législatives en Inde, le président Narendra Modi a fait, je crois, quelque chose comme 260 millions de voix. C'est sûr, sur un pays d'un milliard d'habitants, avec une bonne participation, d'ailleurs. Les, les, les Indiens participent massivement aux élections. Euh, là, pour le coup, c'est la plus grande démocratie du monde. Vous n'entendez jamais parler euh, des élections euh, en Inde. Et ça n'est pas parce qu'il y a... Euh, ça n'est pas que parce qu'il y a la barrière de la langue... Euh, Hindi uh, ou, ou Telugu. Ça pas, ça pas la, la, la barrière de la langue n'est pas que l'explication du fait que vous n'entendez jamais parler des élections en Inde. C'est parce que les médias mainstream, mainstream ne considèrent pas euh, cette chose comme étant importante alors que l'Inde est une des grandes puissances mondiales qui, qui sera une des principales puissances mondiales du XXIe siècle et qu'il sera euh, au milieu du XXIe siècle le pays le plus peuplé du monde. Vous devriez, nous devrions entendre périodiquement, entendre parler des élections en Inde. Ça devrait être quelque chose qui naturellement ne devrait pas, euh, par raison d'en parler tous les jours. Mais enfin, périodiquement, il y a des consultations en Inde qui, qui, euh, qui euh, concernent des centaines de millions d'électeurs dont vous n'entendez jamais parler, dont vous n'entendrez probablement jamais parler euh, à moins que les choses ne changent à, à terme. De même que vous n'entendez jamais parler des élections en Russie. Euh, pays de, je pense à peu près 150 millions d'habitants maintenant. Euh, donc c'est pas n'importe quoi la Russie. Et puis c'est quand même une des grandes puissances mondiales. Et puis et puis euh, c'est pas c'est c'est pas un petit pays. Vous n'entendez jamais parler des élections en Russie. Mais là il y a une nuance par rapport à l'Inde. Vous n'entendez jamais parler des élections en Russie, sauf euh, négativement, péjorativement bien sûr pour dire du mal de du président de l'exercice, Vladimir Poutine. Vous n'entendez jamais de commentaires circonstanciés sur le multipartisme en Russie. Il y a cette impression médiatique qu'il n'y qu aurait qu'un parti unique en Russie, que ce serait une semi-dictature, que Poutine serait euh, reconduit avec, je ne sais pas, 90% des votes. Non, ce n'est pas ça. Il y a un multipartisme en Russie, euh, la persistance d'un parti communiste. Il y, a, il, y Russie, il y a Russie unique qui est un parti de coalition. Il euh, y, y a différentes gammes d'opposition, il y, y a une extrême droite en Russie, il y, y a un pôle d'opposition plutôt libéral, euh, toutes ces choses-là, toutes ces nuances-là, vous n'en entendez jamais parler, et ne croyez pas que M. Monsieur Poutine soit réélu avec 90%, puisqu'il doit faire à chaque élection euh, quelque chose comme... Euh, Jamais moins de 55%, mais entre 55% et deux tiers des voix, ce qui est haut selon nos standards. Mais enfin, nous avons tout de même eu un président qui est passé il y a quelques années avec 82% chez nous. Ça n'a pas, pas suscité de commentaires particuliers. Bref, tout cela pour vous montrer euh, par l'exemple et un petit peu par l'humour que vous, vous n'entendez jamais parler des élections de ces pays-là et de beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Vous n'avez pas ou très peu entendu parler du fait que au Japon, euh, il y a eu un changement de premier ministre il y a quelques semaines. Euh... que dire d'autre il y a des élections dans beaucoup de pays comme ça dont, dont nous n'entendons jamais parler dont, dont beaucoup sont portant des grandes puissances euh... pourquoi, ont... pourquoi non, oh, c'est compliqué à dire pourquoi est-ce que nous n'entendons en, pas parler parce qu'il y a l'omniprésence encore de, de la, euh, du grand frère américain on peut dire entre guillemets dans le, dans le... Dans, le... dans les grands médias, et qu'il n'y en a que pour les États-Unis et leur élection. Alors, je disais que ça ne devrait pas nous intéresser pour cette raison-là. Inversement, ça doit aussi nous intéresser parce que tout de même, euh, bon, c'est la première puissance mondiale, que quel que soit le résultat, ça influence quand même la situation internationale, notamment la situation européenne. Euh, que la France, même si elle a des rapports contrastés avec les États-Unis, États a tout de même des rapports. Donc, il nous intéresse de savoir si c'est en gros Trump qui sera réélu ou Biden qui sera élu. Euh, de là à dire que nous avons. De là à dire en tant que Français, je voterai pour machin, c'est ridicule en fait. Enfin, nous ne sommes pas Français, donc nous ne voterions pas pour, pour machin ou pour truc. Nous pouvons avoir notre préférence. Euh, euh, qui sont plus des préférences de personnes que des préférences partisanes d'ailleurs. Nous pourrons avoir nos préférences et nous avons tous, je pense, des préférences pour l'un et pour l'autre. Mais euh, ce raisonnement médiatique qui consiste, euh, par exemple, à demander euh, sur des plateaux télévisés à des invités euh, "Et vous, vote vous voteriez pour qui euh, Normalement, ça devrait amener comme réponse. Mais euh, cette question euh, n'est pas pertinente parce que je ne suis pas un Américain et donc euh, je ne... Je peux avoir mes préférences qui sont plus des préférences d'affect, mais je ne suis pas un Américain. Culturellement, je ne suis pas un Américain, donc pourquoi me poser cette question Bon, mon pronostic personnel, c'est que je pense que Trump va repasser. Je n'en suis pas sûr, bien sûr, euh, qu'il va repasser, qu'il peut repasser avec une. Euh, avec, de nouveau avec le vote des grands électeurs, sans doute avec une marge plus mince qu'en 2016, euh, probablement encore en gagnant des États clés comme la Floride. J'ai vu, alors on voit beaucoup de choses, on voit des on voit des sondages qui circulent, plus ou moins contradictoires. On voit des choses qui sont moins contradictoires, qui sont euh, des on voit circuler notamment sur Twitter des sortes de courbes qui, en, qui indiquent les tendances du vote anticipé. Et on a l'impression que l'électorat se disant démocrate, parce qu'aux États-Unis, on peut se dire, je, 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 je suis apparenté aux démocrates, je suis apparenté aux, aux républicains, l'annoncer ensuite, ensuite c'est pris en compte dans les sondages d'opinion, les, les électeurs se disant démocrates, qui étaient en avance dans un certain nombre d'États, dont la Floride, euh, l'avance s'est a, 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 constamment réduite depuis ces derniers jours. Euh, il y avait il y a quelques jours en Floride, je crois, 100 voix d'avance pour, pour Biden. Maintenant, c'est Trump qui, passe, qui, qui repasse devant avec quelques milliers de voix d'avance. J'ai l'impression que les démocrates euh, ont plébiscité le vote anticipé. Peut-être est-ce un vote euh, de classe sociale plus. plus euh, tendanciellement plus démocrate. Et que les républicains ont voté plus classiquement le jour, du, le jour même des votes, c'est-à-dire aujourd'hui le 3 novembre. En ce moment même. J'ai l'impression qu'il que le. Que Trump repasse devant dans différents euh, différents euh, états. Bon, ce qui est intéressant à souligner euh, et en connexion avec euh, les, les activités de Rassemblement National en ce moment, il y a une délégation, je pense que vous le savez, euh, il y a une délégation du Rassemblement National qui est euh, qui s'est rendue hier soir pour nous. C'était hier après-midi pour euh, euh, Eastern Standard Time, comme on dit. Au, à l'heure de la côte atlantique, euh, à, à, à l'un des derniers meetings de campagne de Trump à Scranton, en Pennsylvanie. Euh, je crois que Trump a fait quelque chose comme euh, 14 meetings en 3 jours, ce qui euh, saisit un peu l'imagination. pas tellement l'habitude de ça en, en France. Ce sont aussi des manières de, manières de faire euh, campagne qui sont proprement américaines. Euh, on n'a pas tellement l'habitude de ça en France, même si notre vie politique euh, est constamment et de manière croissante américanisée. On n'a pas tellement l'habitude de ça en France. Donc il y a eu un meeting à, à Scranton il y avait une délégation du Rassemblement national conduite par Jérôme Rivière, député au Parlement européen, ainsi que Catherine Griset, également députée au Parlement européen. Il devait y avoir Jordan Bardella, mais il n'a pas pu être du voyage. Euh, J'ai vu des photos, ils ont vu sur place euh, Steve Bannon, ancien directeur de campagne de, de Trump, Rudolph Giuliani. Euh, Giuliani, c'était pas à Scranton, mais je, ils l'ont vu avant le meeting, je crois. Rudolph Giuliani, c'est l'ancien maire de New York, républicain. Et puis, il y avait aussi sur place euh, Nigel Farage, le... vous savez, le, le président de, de l'UKIP. United Kingdom Independence Party, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, qui était un de ces partis. Un des. Mais qu'est-ce que je raconte C'est plus l'UKIP maintenant, c'est le Brexit Party, excusez-moi. Le Parti du Brexit, avant c'était l'UKIP, un, grands... un des principaux partis qui était pour la sortie euh, par le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Voilà, donc ça doit être quelque chose d'intéressant. Euh... C'est une bonne chose, je trouve que le RN est. est et envoyer des personnalités comme cela, ça, cela montre un intérêt euh, pour ce qui se passe à l'international, quels que puissent être les rires et les moqueries médiatiques vis-à-vis d'un candidat qui, euh, Donald Trump, qui tout de même n'a pas 100% de chance de repasser, mais qui a de bonnes chances de repasser, ne serait-ce que parce qu'il est le sortant. Et que classiquement aux États-Unis, sauf exception, un président sortant est réélu pour un second mandat. Même s'il y a les exceptions, euh, George Bush perd en 1992, euh, Jimmy Carter en 1980 oui, oui. me semble-t-il, 1980 oui c'est ça. Et Gerald Ford non plus n'a pas été élu. Gerald Ford était un peu président par hasard à la suite de la démission de de, de Richard Nixon, Ford ayant été battu en 1976 par Carter, qui ensuite n'a pas été réélu. Euh, normalement, euh, un président est réélu aux États-Unis. Euh, normalement, mais il y, y a le contexte sanitaire qui, sans doute, va, va, va faire que la... s'il y a victoire de Trump, elle sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, mince, probablement, et c'est pas sûr qu'il y ait une victoire. Je, je n'affirme pas cela. Alors je vois qu'il y a un commentaire de Jean-Louis, mais je ne le comprends pas. C'est une première aux états unis aussi. Qu'est-ce qui est une première Jean-Louis Je ne comprends pas ce que tu dis là. Puis en dessous, il y a marqué Brexit. Gayland qui me dit bonsoir. Bonsoir Gayland. Voilà. Voilà pour la situation américaine sur lequel, à laquelle il faut s'intéresser. Sans forcément focaliser l'essentiel de nos commentaires. Et s'il faut. Et, quitte à nous y intéresser, intéressons-nous-y intelligemment. C'est-à-dire en ayant bien conscience que les États-Unis ne sont pas la France, que la vie politique est différente, puisque la vie politique américaine, c'est plusieurs choses qui nous, qui nous sont inconnues pour nous français. Euh, l'influence commun... des... des communautés, on pourrait même dire du communautarisme assumé. Hein. Allez, 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 à titre de curiosité, par exemple sur le site de, de Biden, je ne vais pas aller sur le site de Trump, vous avez un onglet sur le site de Biden qui est très intéressant, qui doit s'appeler quelque chose comme Coalitions, coalition. et vous avez, euh, selon le candidat, mais en fait il ne fait que dépeindre la société américaine, alors plutôt vu la société, vue du point de vue démocrate, quelles sont les différentes communautés. Euh, Tiens, ben je vais y aller, je vais vous dire ça. Quelles sont les différentes communautés aux États-Unis à laquelle il s'adresse? À laquelle il s'adresse. Et on voit que c'est quelque chose de tout à fait différent. Euh... Je ne trouve pas son site maintenant. Je n'ai pas eu très bien référencé son site. Voilà, Joe Biden .com. <coughs> Si on va sur JoeBiden.com et qu'on clique sur Join a Coalition. Rejoindre une coalition, qu'est-ce qu'on trouve On trouve une sorte de liste avec tout ce qui constitue les différentes communautés euh, auxquelles s'adressent les hommes politiques aux États-Unis. Et c'est très différent du système français, c'est même assez choquant d'un point de vue français, mais c'est comme ça aux États-Unis. Je vous fais la liste exhaustive. Asian Americans and Pacific Islanders. C'est avec les. Les Asiatiques américains et habitants des îles Pacifiques. africains américains les euh, Arab Afro-Américains. Arab Arabes-Américains, Arabes-Américains. Believers, je ne sais pas ce que c'est, believers, ça va être les évangélistes, je pense. Pas sûr. Hein. catholiques les catholiques. Climate voters, c'est intéressant ça. Les, les, les gens qui, qui votent pour des raisons euh, climatiques. Je ne sais pas comment on fera les appeler, peut-être on pourrait les appeler les climatistes. Ce mot n'existe pas, mais ce serait un néologisme intéressant. C'est des gens qui ne voteraient que pour des raisons environnementales, ce qui sera un peu nos écologistes à nous. Disability Coalition, ce sont les gens qui sont en situation de handicap. On aurait du mal à concevoir en France un site internet d'un candidat avec un onglet euh, personne handicapée. Enfin, Ce serait un peu bizarre. Pas, 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 pas terrible, je pense. Educators, hein, je ne sais pas ce que c'est, l'enseignant sans doute, le monde de l'enseignement. Jewish Americans, les juifs américains, latinos, les latinos, hein, les latino-américains, mexicains, hispano-américains. Communauté très courtisée par les, les deux candidats, parce qu'ils sont en expansion démographique croissante, et qu'ils sont en réserve de, réservoir de voix important dans, les, dans différents états, notamment l'état-clé de Floride. Euh, LGBTQ, donc LGBTQ, Muslim Americans, Musulmans américains, enfin américains musulmans, j'ai je, je inversé, je Native Americans, bah ça c'est les Indiens, les Indiens d'Amérique, progressives, les progressistes. C'est amusant, c'est comme si les autres n'étaient pas progressistes. <laughs> progressistes, bah, peut-être qu'ils ne le sont pas tous, hein, ceci dit. Rural Americans, c'est les Américains ruraux. Senior, senior. Small business, là c'est le monde de la petite entreprise. Sportsmen and sportswomen, ça c'est le monde du sport. Students, c'est les étudiants. Union members, je pense, sans certitude que ce sont les syndicalistes. Le monde syndical. Veterans and military families, le monde des vétérans. Women, alors là c'est marrant parce que les femmes, donc women, sont une communauté par parmi. Euh, une dizaine d'autres selon euh, le site de Biden. Ça vous montre la conception euh, communautarisée de la politique américaine où les femmes, euh, les femmes sont une communauté comme une autre. Naturellement, je pense qu'on n'aurait pas du tout euh, ce même rapport aux politiques en France hein, sur, sur le site d'un candidat français. Et puis, dernière communauté, Young Americans et Jeunes Américains. Voilà, un exemple un peu, un peu caricatural, je ne sais pas si le site de Trump fait la même chose. Simplement pour vous expliquer que le rapport, le rapport aux politiques n'est pas le même aux États-Unis, parce qu'il est notamment un rapport à différentes communautés dont il faut glaner les votes pour être sûr de gagner dans les, dans les différents États. Heureusement, nous n'avons pas cela en France. Enfin, heureusement, je juge là, mais moi, je pense que c'est heureux que nous n'ayons pas ça en France. Et il est malheureux que la politique française, s'américanisant de plus en plus, tende à faire entrer le jeu des communautés. Et le jeu conflictuel des communautés euh, dans, son, dans son déroulement, c'est ce que, ce que j'essaye de faire la gauche indigéniste, dont j'ai cité les noms d'Obono, Autain et un petit peu Mélenchon tout à l'heure. C'est bien malheureux, c'est d'autant plus malheureux en France que ce jeu des communautés, il s'appuie naturellement sur, la, sur, un, sur un islam politique qui, encore une fois, est loin de nous vouloir du bien. Euh, mais il n'y a pas que ça aux États-Unis c'est l'influence des communautés, l'influence du religieux dans le politique. Euh, je l'ai dit en introduction, enfin, c'est pas l'introduction, en, en introduction de ma dernière partie, la, le jeu des, c'est un système avec un suffrage universel indirect, où les États ont une importance globalement proportionnelle à la, à la démographie, mais il y a des particularismes, euh, quand, il y a des particularismes constamment comme ça dans la situation politique américaine. Euh, on, on, un, un candidat, par exemple, euh, obtient tous les délégués d'un État s'il fait la majorité des voix dans un État, c'est le système du winner takes all, le gagnant rafle toute la mise, exception faite du Maine et du Nebraska. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est une exception, euh, liée au fait que le, le, les États-Unis sont un, un État fédéral bien complexe, avec beaucoup de particularisme, on est loin du système jacobin à la française, quoi qu'on pense du jacobinisme, hein, je, ne, je ne juge pas, mais on est vraiment dans un système très différent. Quelles sont les autres différences aussi, pour y réfléchir euh, bon, C'est un mandat de 4 ans, donc la vie, bon, enfin, c'est pas tellement différent de ce qui se passe en France maintenant, finalement, puisque c'est un mandat de 5 ans, euh, c'est un mandat de 4 ans avec des dates fixes, contrairement au système français en France, si demain le président euh, démissionne ou décède, un président par intérim est nommé qui est le président du Sénat, et il y a des élections dans le mois et demi qui suit. C'est ce qui s'est produit en 1969 et 1974 avec l'intérim. Euh, les deux intérims d'Alain Poher et l'élection successive de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. S'il y a un décès, comme, si, comme ce qui s'est produit en novembre 1963 avec Kennedy, le vice-président prend immédiatement. La charge et les élections sont à date fixe, c'est-à-dire que les élections sont tous les quatre ans, quoi qu'il en soit. Et tous les deux ans, vous avez les ce qu'on appelle les midterms pour renouveler le Sénat et la Chambre des représentants, des euh, élections de mi-mandat qui généralement sanctionnent le président sortant. C'est ce qui s'est passé en partie en 2018, novembre 2018, avec la perte par le. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois, je, crois que, je crois que ce que je dis est vrai, avec la perte par les républicains de la, de la chambre des représentants qu'ils tenaient, me semble-t-il, au moins depuis 2016. Voilà. Il y a bien des différences dans le système américain qui font que ce n'est pas comparable au système français, qu'il ne faut pas y calquer de manière excessive des visions françaises des choses. Euh, on peut considérer qu'ils sont un peu fous parfois. Euh, ils sont en tout cas différents de nous. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas y voir des Français. Euh, euh, D'ailleurs, ce ne sont pas des Français culturellement, les Américains majoritairement, ce sont même s'il y a une part française, naturellement, dans certains États comme la Louisiane, etc. Et puis ailleurs, sur le continent américain, au Québec. Mais enfin, culturellement, euh, ce sont avant tout des, des Anglo-Saxons, originaires euh, d'Angleterre, d'Irlande beaucoup d'immigrés irlandais après les, les grandes vagues migratoires de 1848, les Allemands aussi, enfin ils ont un système tout à fait différent de, de nous. Donc il faut les considérer en tant qu'Américains et puis ne pas leur accorder l'attention qu'ils méritent, c'est-à-dire celle d'une grande puissance mondiale, encore première puissance mondiale à ce jour. Mais enfin, euh, il y a d'autres élections ailleurs dans le monde. Hein. Donc euh, euh, le même jour, là, ce même jour, il y a des élections à, à Saint-Vincent des Grenadines, par exemple minuscule état, certes, mais qui s'en préoccupe, qui en parle dans les médias Personne. Alors, je ne dis pas que ça mérite des heures de développement, mais au moins quelques minutes, peut-être. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais évoquer avec vous dans ce direct. Le confinement, le contexte sanitaire, oui, le contexte sécuritaire et la situation internationale. On verra bien ce qu'il adviendra concernant la situation internationale. Les États-Unis, on le saura demain vers 7 heures, je pense. Avant de conclure, je vais lire quelques derniers commentaires. Ah oui, d'accord. Alors Jean-Louis me dit le nom de rally. Oui, euh, le rally, ce qu'on appelle les meetings chez nous. Enfin, C'est amusant parce qu'on donne, on donne un, un nom anglais différent à quelque chose qui, qui a déjà un nom anglais. En, aux États-Unis, on, on parle plutôt de rallye, effectivement. Ou de, campaign, ou, de, ou de campaign trail, la caravane. C'est presque intraductible en français, la caravane de campagne. Le nombre de rallyes, c'est une première aux États-Unis aussi. 5 par jour, c'est du jamais vu. Me dit Jean-Louis. Oui, 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 oui c'est du jamais vu. Euh, sans compter Jean-Louis que Trump, au moins Trump, Biden, je ne sais pas. De, de, objectivement, Biden a fait moins de meetings que, que Trump. Hein par choix, je pense, du fait de sa condition physique aussi. Il y, a, il y a une scénographie tout à fait différente entre les meetings de Trump, avec des, des dizaines de milliers de personnes, l'avion présidentiel derrière, le drapeau américain suspendu par des grues, des personnes derrière Trump, et puis un ton très populiste, et différence avec Biden, qui est seul, qui est seul sur scène, qui euh, a beaucoup moins de personnes, dit-il, pour des raisons sanitaires, mais enfin, ce sera creusé. Il y a différence dans le nombre de meetings aussi. Euh, Trump a fait, pour, pour rappel, 14 meetings en trois jours. Et oui, ce que je, je voulais dire, il y a une différence, jean louis c'est que Trump, et Biden, je pense ne pense qu'il ne l'a pas fait, Trump a, a fait, des, non seulement a fait des meetings, mais a délégué euh, Mike Pence, vice-président, pour faire d'autres meetings. Il y a différentes personnalités du Parti républicain, dont sa famille, d'ailleurs, c'est un système un peu étrange. Voilà, voilà une autre différence. Du système américain, c'est que ça se fait en, enfin. Les hommes politiques américains valorisent énormément leur vie, leur vie privée, leur, leur, leur vie familiale, etc., comme, comme quoi ils sont de bons pères de famille, etc. Et donc ils mettent en avant leur famille dans leurs meetings, ce qui se conçoit assez mal en France, où ça, c est, c est, ça serait quand même mal vu. À raison. Nicolas Sarkozy avait un petit peu essayé de le faire il y a quelques années, pas dans des meetings, mais enfin il avait exposé sa famille et on avait, on avait dit qu'il qu avait une vision. Un peu particulière de sa vie privée, quoi. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Euh... Voilà, j'ai beaucoup de nouveaux commentaires. Euh... Oui, Jean-Louis me rappelle que UKIP, c'est le parti du Brexit. Je suis bien d'accord. J'avais fait une erreur tout à l'heure. Steve me dit qu'il y a beaucoup d'Italiens aux États-Unis. Je n'en doute pas. Je ne sais pas combien d'Italiens aux États-Unis. Je ne sais pas dans quel État ils sont d'ailleurs. Ce serait intéressant à creuser ça. Jean-Louis qui me dit qu'il y a un grand nombre d'Hispaniques aux États-Unis maintenant, oui tout à fait. Biden n'a eu personne à ses meetings et en tout cas il y avait très peu de monde. Il y avait, euh, on voit sur les vidéos quelques centaines de personnes au maximum et quelques dizaines dans certains. Et il, a, il, il avait une stratégie tout à fait différente où il mettait fortement en avant le, le fait qu'il y ait une distanciation sociale entre les, les personnes. Il a fait des cercles de peinture sur certains, dans certaines salles pour que les gens ne dépassent pas leur cercle. À mon avis, c'est contre-productif en termes d'image d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas là pour juger. Les fils de Trump ont fait campagne. Eric Trump et Donald Jr. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu notamment euh, Eric, je crois, dans un meeting au Montana hier. Meeting de soutien à un candidat, puisque il n'y a pas que les élections présidentielles, demain, il y a aussi les élections gouvernatorales, je crois qu'on dit. Les élections pour les gouverneurs. Remplacement. D'un tiers du Sénat, me semble-t-il, pas tout le Sénat, et remplacement des, des représentants. C'est différentes élections en fait. Alors là, Jean-Louis, tu écris New York et New Jersey Italiens. Je suppose que c'est ça que tu veux dire que les, les Italiens sont dans ces deux États, années 30. Il sera arrivé dans les années 1930, si j'ai bien compris. Bon, probablement. Je, je ne sais pas. Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu un peu de questions et beaucoup de commentaires. Merci pour vos 45 commentaires, c'est très aimable à vous. Et je pense qu'on va pouvoir conclure. Euh... Merci pour avoir regardé ce direct. Euh... J'en ferai un probablement dans quelques mois. J'en avais fait en avril. Il y a 7 mois. Euh, C'est un mode de communication sympathique, un peu interactif. Euh, maintenant, j'espère, comme vous tous, que nous serons reconfinés, que nous serons, que nous serons déconfinés euh, rapidement, que nous pourrons reprendre une, des activités normales et notamment des activités politiques normales, puisque viendront et je n'en ai pas parlé d'ailleurs, même si n'était pas le sujet, bien sûr des échéances importantes en euh, des échéances importantes en 2021, probablement pas en mars mais probablement repoussé de plusieurs mois peut être en juin que sont les, les élections départementales et les élections régionales probablement de manière simultanée et il faudra naturellement et eh bien euh, batailler pour que les intérêts français soient représentés dans ces élections. étant entendu selon moi que les intérêts français c'est l'assemblée national et marine le pen et que les autres sont des intérêts étrangers euh, à ce qui constitue le bien-être, le bien-être des Français. Et il faudra donc combattre un certain nombre de candidats, de gens et de listes pour faire valoir nos intérêts. Et Jean-Louis co conclut en disant :« Chicago aussi. Hein, » Je pense que tu parles des italo-américains. Merci pour votre euh, écoute et puis, euh, et bien, euh, à, à dans quelques semaines, dans quelques mois, pour un autre direct vidéo. Merci de votre écoute. À bientôt.